Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je finis dans un endroit qui n'est pas commun, c'est parce que je suis à l'office de tourisme. Et là, je suis toute seule. J'étais en train justement de réviser ma visite, voilà, pour demain. Parce que du coup, aujourd'hui, on est le samedi 24 août. Il est 14h. Et demain, c'est la Saint-Louis à Mont-Louis. Et donc, c'est la fête au village et il y a beaucoup d'activités, dont mon projet de stage qui est ma visite que je vais enchaîner deux fois. Je vais faire une visite à 14h et une visite à 15h. Comment vous dire que je suis très 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 stressée. Genre vraiment très 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 stressée. Mais à la fois, je suis beaucoup plus rassurée que quand j'avais que ma dernière vidéo, voilà, tout simplement. On va dire que sur 1 heure de visite, j'ai la première moitié qui est plutôt carrée à peu près. Je sais que j'y vais y arriver parce qu'en fait, ce qui me stresse, c'est que j'ai l'impression de ne pas connaître par cœur, mais je connais l'histoire de la ville, je connais la visite, je connais la ville, je connais les rues, je connais les anecdotes, je connais en fait, mais le faire d'une manière visite, etc., c'est pas le plus simple. Sachant que je l'ai jamais fait, en plus je dois le faire d'une manière comptée, donc c'est encore plus difficile. Je suis en train de m'entraîner et de relire, comme ça à 15h30 quand mon ami revient de sa visite, et bien moi j'ai pris les petits talons, hop, ça sera mes chaussures, parce que je pouvais pas être en costume d'époque avec des baskets et j'avais que ça et ça va bien passer, mais la robe que j'ai. Et comme ça, du coup, tout à l'heure, à 15h30, je mets les talons, hop, et on s'en va s'entraîner une dernière fois en mode faire le parcours et essayer de la faire dans les temps. Je filme parce que j'avais très envie de voir plus tard ou dans quelques semaines, quand je re-regarderai ces vidéos YouTube, de voir en fait le processus. Vu que j'ai filmé la dernière fois et que j'ai posté la vidéo où je parle de mon stress, je parle de mon projet, je parle du rapport de stage, de tout, et du coup bah, le processus. Donc je pense que ça sera une seule vidéo, celle-ci, où il y a donc aujourd'hui, la veille et le lendemain. Seul petit problème, ils annoncent de la pluie et à la fois, moi je ne fais pas de visite sans lunettes, déjà de vue, de base, et sans lunettes de soleil. Et le soleil ici à la montagne, c'est vraiment spécial, c'est. Ça fait mal, moi ça me brûle la rétine, j'ai les yeux clairs et c'est vraiment pas facile. Donc du coup on verra bien, je vais essayer là tout à l'heure d'y aller juste avec mes lunettes de vue. En plus, on a dû arriver à 13h02, Ouais. enfin 13h32, genre. Bon, en vrai, je pense qu'on arrive une pause. Mais bref. Ah, d'accord, c'est pas l'heure, ok, je comprends. Ok, donc là, c'est l'heure, vous avez toujours pas le téléphone allumé. Ok, c'est pour me filmer, moi. Oh, c'est pas mal ça pour filmer à la salle, les gros biscottos. Tu filmes? Oui. Oh, c'est bien mon nom. En gros, Tu fais un vlog? oui, parce que en fait, je sais pas si t'avais vu, mais tu sais, j'ai fait une vidéo YouTube le soir où j'ai stressé de fou par rapport à ma visite. Ouais, j'ai vu. Et J'ai du pas vu coup, toute la vidéo, mais j'ai vu le début. j'ai dit, bah, vas-y, je vais tenir au courant. Hein. Et du coup, Et là, c'est ça un va aller sur YouTube processus. là? Quoi? Ça va aller sur YouTube là? Ouais. Ok, bon, faut pas dire de gros mots maintenant. Ouais. Bonjour. J'ai mis du gravier dans les pieds. Super. Oh, ça fait mal aux pieds. Je vais me casser. Regardez. J'ai mis les talons. Oh, va falloir que je tienne 2 heures comme ça. Ça va être dur. Ça va être super dur. J'adore. Je suis trop fan. Ça a manqué tout ça. Bon bref, on n'est pas là pour ça là. Du coup, là c'est mon premier point d'étape pour ma visite au Bastion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter mes enregistrements et ensuite je ferai du coup prochaine étape. En fait, je teste en talon. Voilà. Parce que c'est pas facile en fait. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. J'ai peur que ma caméra elle tombe comme ça.
Bon. C'est parce que, en fait, cet après-midi, pour ma visite, j'ai des boucles. Et du coup, c'est pour garder. Parce que les boucles sont chers. Du coup, là, je suis en train de faire un questionnaire. Voilà. Oui. Bah, écoute. Ah, je suis toujours en train de filmer. Dis coucou à mon vlog, Clément. Bonjour, le vlog. Bonjour, bonjour. T'as vu, elle est trop cool, ma caméra. Ouais, j'avoue. Ouais, quand tu me parles de caméra, moi, j'ai pas envie de dire, oh, qu'est-ce que c'est ce truc, là. Mais non, grave. T'as vu, c'est cool. Et ouais. Ça va équiper. Parce que je fais des vidéos YouTube. Il y a le bouton rouge qui clignote. Là. Mais si, ça filme. Enregistré. Démonstration de sardeur. Oh, c'est une transition. N'empêche, dans l'orchestre, celle qui a la petite tout 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 ouais. Comme dans Zelda, elle, si vraiment, chez les autres qui se foirent, c'est tellement grave que t'entends pas, tu vois, c'est bas. Ouais, elle, c'est tellement aigu que t'entends que ça, elle se ferme, elle... merde. Comme moi la visite. Hey, ah hey. Les gens qui sont à la Sardane, ils votent pas à gauche, moi je vous le dis. Et ni à droite non plus, ils votent encore plus loin. Toujours visiblement. Plus loin. N'a pas du tout été signalé dans les plans de Vauban, qui est beaucoup plus récent, mais comme ça, ça permettait aux bétaux de les faire passer par le sentier qui longe en fait les remparts, qu'on appelle le sentier des arbres, au même endroit, parce qu'il y a une entrée et qu'une sortie à Mont-Louis, comme ça moi c'est pas compliqué, mais viennent d'un soldat, et c'est long d'être enfermé pendant plusieurs mois dans une citadelle, et quand vous êtes en terme, vous avez peut-être envie, voilà. Et donc c'est dans ce genre de rue, que vous allez retrouver ce qu'on appelle les cabarets. On préfère préciser les enfants que ce n'est pas les cabarets dedans. Voilà, c'est toute chose. Hein. Voilà, pas besoin de détails. Vous m'avez très bien compris. Je vais faire un petit jeu. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué au-dessus de cette porte? La belle boule. La maison à la belle boule, c'est exactement ça. En plus, ça décrit bien ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on ne dira pas plus. Alors, il faut être honnête, maison close, eh bien, c'est un commerce assez florissant à Mont-Louis, puisque je vais remonter, parce qu'on ne voit personne. Puisque vous en avez quand même trois pour une petite ville, c'est beaucoup. Mais également, Mont-Louis connaît ce son majeur à plus de 900 habitants sur 4.